Bah, allez, pousse, pousse. Ouais, petit pote, c'est quoi, sa mère. Aujourd'hui, je vais voir les Cougars de Saint-Olomone, mon équipe formatrice au Foot US. Parce qu'il y a des combines pour les joueurs, des combines pour l'élite. Et c'est ça, donc je vais aller checker. C'est ça, c'est pour les joueurs qui ont déjà joué en club. Donc on va aller regarder ça et puis ça va me faire un peu de souvenirs. C'est léger. Une racaille, 09 dans la pause. C'est cool, Alain, jamais 203. J'attends, c'est les deux OBA, je m'appellerai moitié Babdou. En hommage, mon cousin Bouba de Barobab. L'ennui, le pianiste, pour le sort. Le crime a payé parfois. Regarde l'Italie, rejoins moi dans ma suite. On l'aurait de motel, je sors sur mon plan. Bon, on est arrivé. Je vais checker un peu comment ça se passe. Putain, ça date de ouf. Wesh. Le vestiaire, je suis sûr, il pue toujours aussi sa mère. Désolé, hein, les refs, si vous regardez. Hein, mais le vestiaire, il est trop naze, wesh. Mais ça fait du bien de revenir ici. Un petit retour aux sources. Non, balistique, là. Avant de reprendre le foot l'année prochaine. T'es capté. Je n'en pouvais plus. On est filmé là ou pas? On est filmé. Je passe dans la prochaine vidéo ou pas? Je passe dans la prochaine vidéo. Je passe dans la prochaine vidéo. Allez, likez Freeman, ma gueule, frère. Depuis Madden, on le suit, gros. C'est pour ça. Voilà ensemble, c'est léger. Bon, il y a des bails de 40 yards, laser. Incroyable, on est équipé ici, j'avais oublié. Bon, je vous cache pas, je peux pas faire mon test 40 yards, c'est trop bizarre. Parce que la dernière fois que j'ai fait le test 40 yards au laser, c'était en 2015. Et je pense au laser, j'avais fait un 5-2, un truc comme ça, c'est trop dur. En fait, tu dépasses un peu, ça bip. Et du coup, c'est trop dur laser. Laser, c'est vraiment dès que tu dépasses le laser, ça, le temps il accélère. Et quand tu dépasses le laser là-bas, le temps s'arrête. C'est trop, ouais, c'est trop chaud. Le synthé, ça va être toujours bon. Cache pas, je vais essayer de négocier pour m'entraîner. Si je peux faire au moins une course dans la semaine, ça serait carré, tu vois. On va essayer. En tout cas, ça rappelle des petits souvenirs. Hein. Ça rappelle des petits souvenirs. Ici, j'ai niqué des mères, ici. Ouais, ici, j'ai niqué des grands-mères. Hein. Là, c'est des tribunes. Elles sont petites. Moi, j'avais le souvenir que c'était plus grande que ça. J'ai été à les Cougars. Malheureusement, je ne jouerai plus jamais dans cette équipe. C'est pas que je les aime pas ou quoi, c'est juste que... Quand c'est fini, c'est fini. Moi, je suis parti avec un titre. Ça y est. Je pars avec une saison invaincue. Je ne reviens plus. C'est fini. En fait, c'est ça le problème. Si je fais une équipe et que je suis invaincu, j'arrête. Comme Tedford. Il y a qu'une saison invaincue. On prend le titre. Je me casse. En vrai, j'avais pas le choix. Parce que c'était ma dernière ado cégep. Bon, on va filmer un peu là. Je vais filmer un peu les petits trucs qu'ils vont faire. Yes. Ici, ça c'est un vestiaire, j'avais jamais. Ça, les vestiaires ici, c'est des gens qui on parlait pas trop. C'est bizarre de dire ça, mais les gens qui venaient ici, on leur parlait pas trop. C'est des gens trop calmes en fait. Moi j'étais dans le vestiaire des Zbeuleurs. Le vestiaire là-bas là. Ici c'était vraiment le vestiaire des Zbeuleurs. J'étais là et je me plaçais ici. Non, pas, je me plaçais là. Je me mettais ici à chaque fois. Ou des fois là, parce qu'il y avait la sono. Mais ouais, j'aime bien me placer ici. C'est ma place là. Les barres, c'est cette barre où j'ai fait mes premières tractions. Cette barre là, on la voit dans la photo, dans la vidéo perte de poids. J'ai fait mes premières tractions ici. Et là, j'étais trop nul. C'était une dinguerie. Je peux le faire, mais bon. Vas-y, bizarre un peu. Je vous laisse. Il y aura la barre. Je vous laisse aussi vous échauffer au niveau des pompes. D'accord, ça sera quasiment la même chose. Je vous laisse la barre à 50. Il est 15. Je pense qu'on sera à peu près dans les temps. On aura une demi-heure, 10 minutes, un quart d'heure avec des petits drills. Voir un peu les mains pour les receveurs, voir les déplacements pour les défenseurs. Ensuite, on fera une petite opposition à la fin. Donc là, je pense, si on met un quart d'heure, 20 minutes, on finira peut-être autour de 17h05, 17h10. Et après, bah, il faudra qu'on enchaîne rapidement sur le petit entretien avec le coach. Là, barre à 50, vous essayez de tourner assez rapidement pour vous échauffer. On passe à 100 kg. Si vous sentez pas de monter la barre à 100 kg, on fait 80 tout de suite. Putain, personne pousse 100. On va tenter à 100 ou pas? Personne pousse 100, c'est pas de délire. Bon, je vous cache pas les refs, y'a personne qui pousse 100 kg là. Ah, ça me plaît pas là. Ah, ça me plaît pas, c'est timide. C'est trop timide. Moi, je veux des gens qui poussent 100 là. Ça pousse 80, c'est quoi ça? Tu vas bien? Yes. On va voir quand même, je pense qu'il y en a qui vont pousser 100, mais bon. 80 là, je connais pas. Qui pousse 120? Toi, tu vas pousser 120? Moi, je pense, hein. Il veut pas aujourd'hui. Tu vas 80? Quoi? Vas-y, fais 100 kg frère, t'en fais au moins un, wesh. Non, gros, t'abuses, wesh. Comment ça, 80? Qui a poussé 100 là? Tu vas pousser ça? Je vais essayer. Vas-y, vas-y. Ah ouais, la vidéo. Vas-y, pousse ça. Même une, c'est bien. T'es sûr que tu les pousses, c'est ça? Il va pas mettre ça dans la vidéo. Je vais mettre, gros. T'as intérêt à pousser ça, frère.
Parce que là, personne pousse ça, tout le monde pousse ça 80. Non, mais moi, donc, je préfère le mec, en fait. Non, non, pour les raisons. Non. Mon rêve, tu vas pousser ça, je te le dis. Ne t'inquiète pas. Pourquoi? Oh, combine Elite, ça pousse 80 là. Allez. Let's go. C'est bien. Tu pousses ça? Non, pas ça. C'est un peu trop. Je vais l'enculer s'il ne fait pas. T'as joué, Pose. Tu vas te cramer, je t'ai dit deux en plus. Il a l'air déter, lui. Vas-y, fais un son. Pose, ouais, tu l'es fait. Prends un bon 3 minutes. Arrête, tu vas les faire. Tu portes l'œil, c'est pas bien ça. Mais c'est des escrocs de ouf. Ouais, je fais pas sans. C'est des bites, wesh, ils le font, wesh. Let's go. Allez, voilà. Let's go, let's go. Pousse. Good job. Là, c'est bien, wesh. On est aïe, frère, c'est bien, ouais. C'est pas facile tous les jours. C'est pas grave, tu l'as eu, frère. Vas-y. Dommage. On va dire que c'est la barre, elle est un peu trop. C'est pas grave. C'est bien. Viens l'essayer. Ça casse tes couilles. Allez, pousse. Là, je vais filmer derrière contre un. On va voir ce que ça donne. C'est mieux, ils sont chauds. Parce qu'ils vont tous finir sur YouTube. J'en ai rien à foutre. Mon gars, c'est dedans. Hein? Pourquoi ça, je t'aime pas tout, frère? Mon gars. Prochain, tu veux. Applique alors au prochain. I. C'est là. Vas-y, mon ref. Je sais pas quoi dire. Merci d'être venu déjà dans un premier temps. Il faisait chaud et tout, mais je pense que c'était un bon temps pour faire du foot. Merci pour la présence, pour le rythme. On a eu un bon rythme, c'était pas mal. Ce soir, on va vous prendre un pas. C'est terminé. Je vais aller, je pense, à toutes les combines. Ça dépend. Si c'est les mêmes personnes, j'irai pas. Mais si c'est d'autres personnes, je sais qu'il y a les combines de ceux qui n'ont jamais joué au foot. Je vais aller à celle-là, ça va être un peu drôle. Donc je vais aller à ça. Et puis voilà. Là, vas-y, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être voir des potes à moi. On va voir. Soit ça, soit on l'arrête sur ça. Mais c'était cool. Alors en vrai, c'était bon délire. Cool de revenir au Cougar. Cool de revoir quelques têtes qui datent de ouf. Et puis c'est ça, de retâter le terrain un peu. Je vais essayer de négocier si je peux courir sur le terrain. Enfin, pas maintenant, mais quand ils s'entraîneront. Et puis c'est ça. Mais il y avait des bons trucs, il y avait des bonnes choses. Même s'il y a des choses à travailler, mais il y avait des bonnes choses. En tout cas, ça donne envie, hâte de reprendre le foot. Votre ressenti? J'ai rien fait. Toi, t'as rien fait, malheureusement. Fatigant, mais bon, faut travailler quoi. Exactement, c'est ça, et toi? Il faut travailler, tu connais. C'est décevant. Comment? Il est à contrat, c'était comment? J'ai pas trop regardé. Moi j'ai choqué là. Ma in, je l'ai choqué. Ouais. T'inquiète pas, on va t'afficher ça. Mais t'as caché quand même quelques-unes. Ouais. C'est ça, donc c'est bon. Ouais, mais... Ah non, on cherche le 100%. Voilà, c'est bien. Et toi? Peut mieux faire. Peut mieux faire. Vas-y, calme, tu as travaillé sur l'entraînement. Et j'ai passé quelques fois à l'entraînement là. Vas-y. Vous allez voir là. Le 30. Ouais. Le 30. Toi aussi, on va te voir toi aussi là. Moi je suis en 19 encore. Hein? T'as eu 19? Bah, je suis pas en élite. Ce fut une belle journée riche en contenu. Allez, je me casse, je vais jouer à World of Warcraft, cousin. Je vais jouer à World of Warcraft avec Yasko, mon ref. Et on va voir, c'est lui qui m'a chauffé. Vous allez me dire à chaque fois, ouais, Freeman, comment est-ce que tu joues à des jeux bizarres comme ça? C'est Yasko qui me chauffe. Bref, ciao les gars, peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul, tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.